Mesdames, Mesdames et Messieurs, bonjour et bonsoir. Selon l'endroit d'où vous nous suivez, bienvenue à guinematin.com. Nous sommes à la grande interview de guinematin.com. Cette émission qui vous reçoit, qui vous donne la parole et qui donne la parole à nos invités. Comme vous le savez, nous parlons politique, nous parlons économie, sport, culture, tout ce qui fait l'actualité de notre cher pays. Aujourd'hui, nous allons vous consacrer une émission exclusivement consacrée à l'économie. La grande interview reçoit donc deux experts, un Guinéen et un Français, pour parler d'économie. Il s'agit de l'économiste et banquier Alhassane Lamarana Diallo, conseiller technique en charge des centres de gestion agréée au ministère du Budget, et de Harry Nikolic, chef du projet d'appui au corps de contrôle et à l'administration fiscale de la Guinée chez Expertise France. Comme pour chaque émission depuis le début, je suis avec mon confrère Bachir Silla de guinéeco.info. Bachir Silla, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue. Bonsoir à nos téléspectateurs. Bonsoir, Monsieur Diallo. Bonsoir, Monsieur Baldé. Bonsoir, Monsieur Nicoli. Bonsoir, Monsieur Baldé. Bienvenue à guinématin.com. Monsieur Diallo, pour commencer, qui est Alhassane Diallo? Merci, Monsieur Baldé. Et je dis bonsoir à vos fidèles téléspectateurs et auditeurs. Et je suis Alhassane Diallo, comme vous l'avez dit. Je suis conseiller technique au ministère du Budget, en charge des centres de gestion agréés, communément appelés CGA. Monsieur Nikolic, vous pouvez faire pareil. Qui êtes-vous? Vous vous présentez à nos téléspectateurs. Merci, Monsieur Baldé. Merci de m'accueillir dans votre émission. Donc, je suis Henri Nikolic. Je suis cadre à la Direction générale des finances publiques françaises, détaché auprès d'Expertise France. Depuis le 1er septembre 2018, j'exerce les fonctions de chef du projet d'appui au corps de contrôle et à l'administration fiscale en République de Guinée. Oui, Monsieur Diallo, quand on reçoit nos invités, le plus souvent, on revient un peu sur leur passé. Est-ce qu'on peut savoir votre cursus, votre formation et votre parcours professionnel? Merci, Monsieur Silla. Donc, je vais un peu commencer par le cursus scolaire et universitaire. Bon, je suis guinéen et j'ai eu la chance d'étudier ici, au lycée Kipé. J'ai fait l'université Gamal Abdel Nasser. J'ai ma maîtrise en économie et c'est de là que je suis allé aux États-Unis dans le cadre des études jusqu'à obtenir mon MBA, concentration en finance. À New York et précisément à Mercy College. Vous êtes parti de vous-même ou bien vous aviez bénéficié d'une bourse? Non, je suis parti de moi-même. Je suis parti de moi-même. C'est vrai que je suis allé là-bas en tant qu'étudiant, mais ce n'était pas une bourse étatique ou quoi que ce soit. Donc, c'est sur mes propres moyens. Et au-delà de cette formation, on a profité de notre séjour là-bas pour se former encore davantage, ce qui m'a permis d'aller à New York University aussi, où j'ai fait le project management, et puis plusieurs autres écoles. Ensuite, dans le cadre du travail, c'est là-bas aussi que j'ai commencé réellement. Depuis 1999, bien sûr, j'ai été à Pride Finance en Guinée. Pride, c'est le programme intégré pour le développement de l'entreprise. Pour le développement de l'entreprise. Oui. J'ai été comptable, j'ai été agent de crédit à la branche de Ratoma avant d'aller au siège à Conakry. Donc c'est à l'issue de ça qu'à l'an 2000, je suis allé aux États-Unis où j'ai repris encore mes études. Ensuite, j'ai commencé maintenant à travailler. Et vous avez travaillé où, en quelle qualité? Ah oui, bon, j'ai commencé par, j'avais déjà, dès mon arrivée là-bas, cherché à avoir un permis dans le domaine des assurances. Donc, ça m'a permis d'intégrer Citigroup, où j'ai travaillé avec Prime America. Ensuite,
quand je faisais mon MBA, j'ai eu la chance d'intégrer Wall Street, où pendant 11 ans, j'ai travaillé à la banque de New York Mellon, juste pour ceux qui connaissent, au centre de Manhattan. Alors de là, j'ai occupé plusieurs postes, dont le dernier en tant que spécialiste de marché et de taxes à l'international, avant de venir en Guinée répondre à l'appel des besoins du pays. Okay. Et à votre retour, vous avez fait quoi d'autre ici en Guinée? Bon, depuis mon retour, je suis déjà... j'ai répondu à un appel. J'étais là au ministère du budget. On avait lancé... Il y a eu le décret de création des centres de gestion agréés et dont on recherchait vraiment des spécialistes. Et on avait besoin d'un profil qui répondait aux critères de fiscalité et de la connaissance aussi du secteur privé. Donc, ayant toutes ces expériences, je me suis dit de venir répondre à cet appel. Et c'est à ce titre que, à ma démission en juillet 2018 aux États-Unis, je suis venu directement commencer au ministère du budget en tant que conseiller chargé des centres de gestion agréés. Et ces centres de gestion agréés, c'est quoi au juste? Avant d'en parler, peut-être que sur sa vie personnelle, on peut parler de vie associative. Est-ce que M. Diallo est de quelle préfecture? Est-ce que vous vous impliquez dans les activités associatives, de développement de votre communauté? Ah oui, bien sûr. Je suis de Kindia. Et j'étais membre fondateur de l'association des ressortissants de Kindia aux États-Unis. Et je ne vais pas citer toutes ces actions qu'on a menées, mais j'ai conduit une mission à Kindia où on avait rencontré le maire, paix à son âme, qui est décédé, M. Dramé. Nous étions... j'ai conduit la mission qui a envoyé les lampadaires pour éclairer l'hôpital régional de Kindia. Et du côté des États-Unis, que ce soit dans la communauté guinéenne ou de la communauté américaine. J'ai été volontaire pendant plusieurs années à l'église Prayers for All People, où tous les mercredis, nous servions des plats aux démunis. 300 à 5, voilà. Donc, tout ce qu'ils ont besoin. Okay. Voilà. Je rappelle à nos téléspectateurs que nous sommes en direct et qu'ils peuvent poser des questions directement ou réagir même aux propos de nos invités via WhatsApp au 621 44 06 32 621 44 06 32, via WhatsApp. On peut peut-être compléter ou même revenir sur les propos de Monsieur Diallo. Ok, avant de revenir au CGA, puisqu'il nous ramène un peu aux États-Unis, le plus souvent les pays africains sont victimes de la fuite des cerveaux. Les Africains qui partent où pour étudier, et une fois la formation terminée, ils refusent de rentrer. Comment vraiment amener la diaspora africaine à revenir après nous? Oui, c'est une réalité. Et jusqu'à présent, nous avons beaucoup de nos compatriotes qui sont bien formés. Les conditions de retour, je pense, doivent être réunies pour permettre à certains cadres d'un certain niveau de revenir au bercail. Et la situation sociopolitique, il y a aussi le climat des affaires. Parce que les gens pensent que, bon, quand on est à l'étranger, il faut revenir forcément travailler dans le gouvernement. Mais si le secteur privé est développé, je pense que le climat des affaires est bien développé et avec un minimum de sécurité. Que ce soit sécurité alimentaire, sécurité dans toutes ces dimensions, je pense que le retour est possible. Il y a un autre facteur aussi qu'il ne faut pas minimiser. Le niveau des salaires est très différent. Donc, ce qui fait que abandonner son salaire à l'Occident et venir servir ce pays avec vraiment le niveau de salaire que nous connaissons ici, c'est un grand sacrifice. Vous pensez donc que l'État ne fait pas ce qu'il faut pour inciter les compatriotes à rentrer?
Bon, je ne dirais pas que l'État ne fait pas assez. Peut-être qu'il y a beaucoup d'efforts à fournir encore. Ne vous gênez pas, le pouvoir a changé. Hein. On est avec le CNRD, la parole est libre. Hein. Ce n'est pas parce que vous avez un poste qu'il faut hésiter d'en parler. On peut critiquer, on peut dire que... Parce que nous, on échange avec des gens, effectivement, qui ont envie de revenir au pays, de revenir servir, mais qui sentent que l'État ne fait pas assez. Oui, il y a l'État, comme je le dis, il y a des conditions générales qui sont là. Et que ce soit mon cas ou d'autres cas, il y a des programmes étatiques qui sont là, qui ont permis à beaucoup quand même de revenir avec des contrats où ils sont plus ou moins payés par rapport aux autres. Donc c'est un effort de l'État qu'il faut encourager. Et parlant de la situation d'aujourd'hui, il faut vraiment s'en réjouir, hein, parce que il y a un nouvel élan, il y a un nouvel espoir. Et aujourd'hui, vraiment, et nous avons vu aussi l'implication, les différentes nominations de la diaspora au sein de l'équipe gouvernementale. Et je reste convaincu que beaucoup seront nommés encore. Vraiment, il y a de l'espoir, que ce soit, comme je le dis, le niveau des affaires. Les gens viendront de l'administration comme aussi dans le privé. Oui, maintenant on revient au CGA. C'est vraiment qu'est-ce qui a plaidé pour la création de ces CA? D'où vient la nécessité et c'est quoi au juste ces centres de gestion agréés? Oui, les centres de gestion agréés ont été institués en Guinée par décret depuis 2017. Il faut dire que nous sommes beaucoup en retard dans ce sens par rapport aux autres pays, notamment de l'IMOA. Parce qu'il y avait cette directive depuis le début des années 2000. En fait, c'est quoi? C'est juste une sorte d'assistance en matière fiscale, en matière de comptabilité et de formation pour aider tous ceux qui sont dans l'informel à se formaliser. Et il y a des avantages fiscaux et des avantages non fiscaux. Donc, pourquoi aujourd'hui nous voudrions le faire? Avant de développer, est-ce qu'il n'y a pas de risque aussi pour ceux qui sont dans l'informel de s'engager dans le formel? Bon. Parce qu'on vous a vu à Madina, par exemple, les discours ont été applaudis, le message a semblé intéresser les personnes ciblées, les commerçants notamment, mais certains nous posent des questions de ce genre. Est-ce qu'ils ne courent pas de risque en s'engageant dans le formel? Oui, M. Baldé, un peu avant de répondre directement à votre question, peut-être c'est de revenir encore un peu sur le constat et sur le contexte. Vous savez, le secteur privé a plus de 90% est dominé par l'informel. Et aujourd'hui, se fondant sur des conclusions des études qui ont été faites, plus de 81% des entreprises ont une demande de formation. Et plus de 75% des entreprises, ou en tout cas de l'informel, n'ont jamais connu une structure d'assistance. Et le premier problème aujourd'hui que nous avons pour le secteur privé, c'est le financement. Mais vous ne pouvez pas être financé ou bénéficier de quoi que ce soit si vous n'êtes pas formalisé. Donc, qu'est-ce que nous avons fait dans ce sens? Pour aider les gens à se formaliser, il y a eu une réduction dramatique des procédures pour la formalisation. Une réduction drastique. Drastique. Oui. Est-ce que vous voyez? Oui. Je m'excuse. Est-ce que vous voyez? Ensuite, il y a une réduction aussi du coût de la formalisation. Aujourd'hui, pour créer une entreprise à la PIB, comme avant, les coûts sont vraiment moindres. Est-ce que vous voyez? Ensuite, il y a l'État aussi qui a consenti à renoncer à certains impôts juste pour permettre aux entreprises de se formaliser. Donc avec tout ceci, nous avons besoin donc d'informer les gens de l'informel que ces mesures sont là et qu'ils peuvent aller se formaliser.
Qu'est-ce que vous voyez? On a déjà quelques centres à Conakry, je pense à trois, Matoutou, Dixine, Matam et Matoutou. Comment on appelle ça? Dixine, Matam, Matoutou, des centres. Quel est le résultat en termes de création peut-être d'entreprises qui ont été incitées à aller vers le formel? Oui, depuis le lancement, nous avons 4 CGA qui sont opérationnels à Matam, à Matoutou, à Dixine et à Ratouma. Et nous avons 3 autres qui sont en voie de création à Kaloum, et puis renforcer aussi la commune de Matam qui est quand même qui abrite le plus grand marché, donc le plus grand centre informel du pays. Et aussi un peu à Ratouma, une commune qui est très 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 vaste. Donc depuis la création, déjà nous avons plus de 400 entreprises aujourd'hui qui sont suivies par les CGA. C'est-à-dire leur tenue de comptabilité, leur plan de trésorerie, tout est assuré par les CGA. Et puis leur bilan. Vous savez, l'un des grands avantages à adhérer au CGA, c'est la tracasserie administrative. Quand vous adhérez au CGA, vous n'avez plus à vous déplacer pour aller à la Direction générale des impôts. On renouvelle votre NIF, et si c'est pour la création, on vous aide pour le RCCM et tout ce qu'il faut. En ligne ou comment ça se fait? Non, au centre. Vous exprimez vos besoins au centre, et c'est le centre qui se charge de toutes les démarches administratives. Donc ça, c'est un premier impact. Donc un commerçant, par exemple, qui a envie d'adhérer, il vient, il se présente. Avec quel document, qu'est-ce qu'il fait? Voilà, vous savez, quand on dit l'informel, il y a ceux qui sont totalement informels et ceux qui sont aussi semi-informels. Mm-hmm. Comment ça se passe? Si vous n'avez pas de RCCM, vous n'avez pas d'immatriculation fiscale, c'est que vous n'existez pas légalement. Donc, ceux-ci sont très nombreux. Si vous venez au centre, on vous aide à obtenir ces documents. Ça, c'est de deux. Si vous avez aussi ces documents, mais vous ne faites pas de déclaration mensuelle unique, vous ne payez pas d'impôts ni rien, ça veut dire que vous n'êtes fiscalement, vous n'êtes pas actif, et le centre de gestion va vous aider à vous régulariser. Et les arriérés d'impôts et autres, on ne va pas vous exiger de payer ces arriérés d'impôts parce que maintenant vous êtes dans une nouvelle dynamique à être vraiment un citoyen, un contribuable civilisé. Est-ce que parmi les entreprises qui sont venues vers vous, est-ce qu'il y a des médias? Est-ce que les médias peuvent adhérer à ces centres? Oui, les centres de gestion agréés. Toutes les petites et moyennes entreprises ou industries peuvent adhérer au CGA. Il y a des écoles, c'est le chiffre d'affaires. Actuellement, le Code général des impôts limite les petites et moyennes entreprises, la taille de 1 à 1,5 milliard. Donc, si votre chiffre d'affaires est dans cet intervalle, c'est que vous pouvez adhérer au centre de gestion agréé et être suivi. Est-ce que vous voyez? Et de l'autre côté, comme vous parliez de l'impact. Et quand vous dites entre 1 et 1,5 milliard, 1 franc, 1 quoi? 1 franc, oui. D'un franc à 1,5 milliard. À 1,5 milliard, vous appartenez à la classe des petites et moyennes entreprises selon la classification des impôts. Et donc, vous pouvez adhérer au CGA. Les CGA ne sont pas faits pour les grandes entreprises. Cela veut dire, puisque parmi ceux qui nous suivent, il y a des commerçants, il y a des boutiquiers, il y a des gens qui exercent dans les quartiers, quelqu'un qui n'a jamais souscrit à rien, qui fait du business, peut aller dans vos centres et se faire orienter. Tout à fait. Tout à fait. C'est la raison principale. Et ça donne aussi du travail aux CGA qui sont des structures privées. L'implication de l'État, c'est parce qu'il y a un agrément que le ministère du Budget doit délivrer pour que le centre soit agréé. Et il y a aussi, comme je l'ai dit, les incitations fiscales. Si vous adhérez, vous ne payez pas la patente pendant 3 ans. Et si vous adhérez, vous payez seulement 50% sur le BIC. Pendant les 3 premières années,
Ensuite, vous avez 25% de reddition pendant tout votre temps dans le CGA. Les 25%, quelqu'un qui n'est pas agréé dans vos centres paye 100% et l'autre a une exemption de 25%, c'est cela? Tout à fait. Donc, les gens ont intérêt à passer par vous pour s'acquitter des obligations qu'ils ont vis-à-vis de l'État. Oui, tout à fait. Et c'est pour cela, aujourd'hui, il y a une adhésion vraiment massive, surtout avec la campagne que nous avons commencée. Et je vous ai parlé de 400 adhérents dans les centres, mais il y a une liste de suivi de plus de 1000 contribuables qui sont prêts aujourd'hui à adhérer et profitant aussi de cette confiance renouvelée entre l'administration et la population depuis les événements du 5 septembre aussi. Okay. Monsieur Henri, on se tourne vers vous. C'est vrai que vous vous êtes présenté, on sait que vous êtes un Français de Expertise France. Mais on peut revenir un peu sur sa vie, vie associative. La vie associative, la formation, vous êtes de quelle formation et par où vous êtes passé pour, vous n'êtes pas de Kindoua, vous. Pour être là où vous êtes aujourd'hui. Bonjour Monsieur Silla, effectivement oui. je ne suis pas originaire de Kindia, oui. Donc je suis né en France, j'ai fait des études de droit en fait, hein. J'ai poursuivi les études de droit jusqu'à un master 2 avec une spécialisation en gestion de patrimoine. J'ai ensuite travaillé pendant 5 ans dans le secteur bancaire, donc, je crois que c'est le point que j'ai commun avec Monsieur Diallo. Hein. Voilà, sauf que moi j'étais en France, hein, j'étais pas aux États-Unis. Donc ensuite j'ai passé le concours de l'administration des impôts en France, hein, et puis j'ai suivi une année d'enseignement à l'école nationale des impôts à Clermont-Ferrand. Donc l'école nationale des impôts qu'on appelle aujourd'hui école nationale des finances publiques. Alors j'en profite pour dire que chaque année on a un ou deux collègues de la direction générale des impôts de Guinée, hein, qui est admis au concours et qui part suivre cette année de formation. Aujourd'hui, on a à peu près une trentaine d'agents à la DGI, Direction Générale des Impôts Guinéenne, qui est diplômé de cette grande école française, voilà, en matière de finances publiques. Et vous êtes en Guinée depuis 2018. Qu'est-ce qu'on peut retenir comme principale activité que vous avez eu à mener? Je rappelle que vous êtes chef du projet qu'on appelle PACAF ici. Projet d'appui au corps de contrôle et à l'administration fiscale. Qui est la DENI. Mmh. Qu'est-ce que vous avez eu à mener concrètement comme activité depuis que vous êtes à ce poste? Alors, effectivement, je suis installé en Guinée depuis août 2018. Si vous permettez, Monsieur Silla, avant de commencer sur le registre purement professionnel, je voudrais en profiter pour remercier les Guinéennes et les Guinéens qui m'ont aussi en Guinée pour la qualité de leur accueil, hein, pour leur hospitalité et puis leur extrême gentillesse, hein, dans une très grande majorité des cas. Donc le projet d'appui au corps de contrôle à l'administration fiscale a démarré en 2018, mais ce qu'il faut savoir c'est que ce projet a succédé à un autre projet en fait, hein, qui était déjà en Guinée depuis 2015, hein, le projet d'appui au renforcement de l'administration fiscale. Donc c'est un projet qui était vraiment focalisé sur l'administration fiscale. La différence du projet PACAF, dont je suis le responsable, c'est que ce projet englobe, en plus de l'appui à la Direction Générale des Impôts, un appui à la Direction Générale des Douanes et un appui au corps de contrôle. Cour des comptes, Inspection Générale des Finances et Inspection Générale d'État. Donc en ce qui me concerne, donc je suis chef de projet, mais je suis expert référent auprès de la Direction Générale des Impôts. Donc ma spécialité, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, de par ma formation fiscale, c'est la Direction Générale des Impôts. Une fois, moi, j'étais au village, on regardait la télé et on a présenté des experts. Une dame m'a demandé, mais ces experts-là, ils nous apportent quoi? Vous apportez quoi concrètement à la Guinée? Alors, qu'est-ce qu'on apporte? Moi, je le disais depuis 2015, hein, on est présent auprès de la Direction Générale des Impôts, hein, qui était autrefois, jusqu'en juin dernier, Direction Nationale des Impôts, hein, je le précise. Ce qu'on apporte, bah, c'est de l'expertise, hein, dans différents domaines, hein, qu'on a ciblés au départ. Ce qui m'a amené à travailler avec Alassane, d'ailleurs. Le premier sujet, c'est le premier défi, en fait, c'est d'élargir l'assiette fiscale. C'est ce qu'on disait tout à l'heure.
Le secteur informel est encore prédominant en Guinée. Hein. Alassane parlait de 90% des entreprises. Hein, donc c'est vraiment considérable. Hein. C'est pas tout à fait une spécificité guinéenne, hein, puisque dans la sous-région, on retrouve à peu près cette situation. Donc on a essayé de déployer un certain nombre d'activités, en fait, hein, pour essayer de réduire la part de ce secteur informel. Parce que comme le disait Alassane, quand on est dans le secteur informel, c'est quand même extrêmement handicapant pour les entreprises pour envisager un développement harmonieux, en fait. Hein. Je pense que c'est ça qu'il faut retenir, c'est que se formaliser, c'est aussi préparer l'avenir. L'avenir de son entreprise, préparer l'avenir aussi de la transmission de son entreprise. Hein. Monsieur le ministre de Budget l'a dit à Madina, c'est vraiment essentiel. Hein. Lorsque le gérant... cesse son activité ou malheureusement disparaît. Si la société, si l'entreprise est informelle, c'est vraiment très compliqué pour les héritiers qui restent, hein, de continuer l'activité. Alors, l'élargissement de l'assiette fiscale, donc ça passe par le développement des centres de gestion agréés. Hein, ça, c'est vraiment essentiel, hein, de cet accompagnement-là. Il ne suffit pas d'inciter les entreprises à se formaliser, à s'inscrire à la PIP. Il faut aussi les accompagner. C'est vraiment ça le rôle des CGR, les accompagner dans leur formalisation, dans leur croissance. Alors, autre activité qu'on a essayé de mettre en œuvre parallèlement, c'est la géolocalisation des entreprises. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de très important. Vous le savez, à Conakry, en Guinée de manière générale, on n'a pas un système d'adresse qui est très, très rigoureux. On a beaucoup de mal à retrouver les entreprises. Qui sont installés dans les différentes communes. Or, une entreprise qui n'est pas précisément localisée, on ne peut pas la fiscaliser de manière précise. Quand on a besoin de lui adresser des plis, des informations, des mises en demeure, des taxations d'office, on a besoin de savoir où elle est installée. En fait, ça, c'est vraiment essentiel. Donc, ce qu'on a fait, en fait, c'est qu'on a, on a équipé la Direction Générale des Impôts de motos et de GPS. Et concrètement, en fait, ces agents de la DGI se déplacent sur le terrain et enregistrent des coordonnées GPS, latitude, longitude, et ces données, en fait, sont injectées dans un système informatique. Ce qui fait qu'on a aujourd'hui environ 6000 entreprises à la DGI qui sont géolocalisées, qu'on sait exactement situées à Conakry. Donc pour l'instant, ces opérations se sont déroulées uniquement à Conakry, hein, parce qu'évidemment... se déplacer à l'intérieur du pays, pardon, c'est quand même un peu plus compliqué. Mais ça sert à quoi? Ça aide plutôt l'État à les taxer, à leur mettre la pression. Ça n'aide pas les entreprises, non? Au contraire, une entreprise qui est fiscalisée, elle est forcément formalisée. C'est ce que je disais tout à l'heure. Une entreprise qui est formalisée, elle se développera plus facilement. Hein, regardez, je prends l'exemple des grandes multinationales américaines qui sont parties de presque rien. Hein. Quand on regarde Microsoft ou Google, ce sont des entreprises qui sont parties de presque rien. On dit que Bill Gates a commencé dans son garage, un peu comme un commerçant guinéen, hein, qui s'installerait. Aujourd'hui, ce sont de grandes multinationales, hein, qui sont très prospères, qui gèrent beaucoup de bénéfices et qui payent des impôts dans leur pays, aux États-Unis. Je pense que ce processus-là, on pourrait très bien le concevoir en Guinée. On a besoin de. Mais le Guinée, il va prendre l'exemple d'un commerçant qui a commencé par la vente du bois, qui ne s'est pas forcément formalisé, mais qui a pu, à travers son courage, son combat, réussir seul. Ce que je voulais vous dire, en fait, c'est que la formalisation... Pas un accompagnement réel de l'État. Je pense que cet accompagnement, il se fait au travers des CGR. Hein. Ça, c'est vraiment essentiel. Il ne faut pas oublier que les CGR, ce sont des structures privées, certes, mais qui bénéficient d'un agrément. Hein. Ça, c'est vraiment important. On s'assure vraiment que la compétence nécessaire est là. Ça, c'est le ministère du Budget, hein, qui gère ça. Donc, on ne peut pas dire qu'il n'y a pas d'accompagnement. Il y a aussi un accompagnement des partenaires techniques et financiers. Je pense à l'Union Européenne et Expertise France. Je ne l'ai pas dit, ce projet PACAF est cofinancé
par l'Union européenne et la France, et donc mis en œuvre par Expertise France. Donc il y a vraiment un soutien des partenaires techniques et financiers, et puis un soutien aussi indirect de l'État au travers des CGA. Est-ce que, bon, généralement en Guinée, les gens ont peur des impôts, je parle des opérateurs économiques, qu'est-ce qui a été fait au niveau de la Direction générale des impôts pour inciter les gens à souscrire aux impôts? Alors, dans ce qui a été fait, très concrètement, dernièrement, je peux pas éviter de parler de la plateforme de télédéclaration de télépaiement e-tax. Donc c'est en fait c'est une plateforme sur laquelle les petites et les moyennes entreprises pour l'instant et les grandes entreprises peuvent télépayer et télédéclarer, télépayer leurs impôts. Donc aujourd'hui on a 3 000 entreprises. Sauf que le plus souvent les commerçants c'est des analphabètes pour la plupart. Ils n'ont même pas d'email. Comment ils peuvent souscrire à l'e-tax? Alors c'est là que le rôle des centres de gestion agréés il est essentiel en fait, parce que ces petits commerçants là, Alassane le disait en fait, les CGA en fait accueillent ces petits commerçants là en fait. C'est vraiment le réceptacle naturel de ces petites sociétés. Les CGA fournissent un accompagnement. Hein, si moi je suis un alphabète, je m'adresse à un CGA, je peux très bien le CGA peut très bien prendre en charge en fait toutes ces formalités là télédéclaration et télépaiement. Et il faut aussi indiquer que les CGA fournissent des prestations de formation aux gérants en matière de gestion. On peut aussi concevoir des formations à l'informatique, à l'outil de informatique. Et je crois qu'il ne faut pas baisser les bras par rapport à cette situation. On a aujourd'hui des structures qui se développent, qui sont là pour accompagner les commerçants qui, bien qu'étant d'excellents commerçants, ont besoin d'être accompagnés sur dans le domaine informatique. Les CGA ont vraiment un rôle important à jouer dans ce domaine. Pendant qu'on est en train d'inciter les petits commerçants, il y en a qui pensent aussi que les multinationales ne payent pas le juste impôt. Est-ce qu'il y a eu des efforts dans ce sens pour, au niveau de la Direction générale de l'impôt, pour faire payer aux multinationales qui évoluent en Guinée l'impôt qu'ils doivent payer? Alors, les multinationales, bon, en Guinée, il faut quand même que je parle des accords qui ont été signés au niveau de l'OCDE, hein, assez récemment en fait, hein, pour très rapidement, hein, pour en fait qui impose un taux minimum de 15% hein, d'imposition. Ça c'est quand même une vraie révolution, parce que en Guinée, on est à quel niveau? Le taux d'imposition, je crois que c'est 33%, je crois, 30 ou 33% le taux d'impôt sur les sociétés. Très loin hein. Des 15%, alors. Ah, c'est beaucoup mieux que 15%, oui. Okay. Oui, c'est beaucoup mieux. Oui. Okay. Est-ce que aussi la Guinée a signé des conventions fiscales avec, par exemple, des pays de l'Union européenne? Est-ce que ces conventions sont à jour? Est-ce qu'il faut les... Alors, il y a une convention fiscale qui a été signée avec la France, effectivement. Je ne sais plus en quelle année, hein, franchement. Dans les années 2000. Je pense que c'est même un peu plus ancien que ça. Cette convention, elle est, je dirais, conforme au droit commun en fait, hein, de ce qu'on observe en fait. Elle a pour but d'éviter les doubles impositions en fait, hein, et de répartir l'assiette fiscale en fait entre alors, les deux pays. Pour revenir à Monsieur Alsan, est-ce que vous sentez que la politique actuelle incite suffisamment les petits commerçants à adhérer? Oui, Monsieur Baldé, vous savez, depuis les événements du 5 septembre, il y a eu ce regain de confiance. Et c'est ce qui a envoyé le ministre du Budget à lancer cette campagne de sensibilisation dans les grands marchés de Conakry. Le lancement était à Madina, mais ça se poursuit pendant 40 jours dans 10 autres marchés, 9 autres marchés de Conakry. On a suivi la cérémonie, il y avait quand même de l'engouement qu'on sentait là, mais est-ce que ça a été suivi d'actes concrets? Ah oui, parce que nous avons des fiches de suivi là-bas, il y a plus de 1000 contribuables qui sont déjà inscrits, qui vont certainement adhérer au CGA. Et je voudrais même profiter pour revenir un peu en arrière.
par rapport à la nécessité de se formaliser. Au-delà même des CGA, pourquoi vraiment il faut se formaliser? Et l'exemple que je prends souvent, vous avez vu lors du lancement, le témoignage de, on a présenté Elhadj Mamadou Saliou Diallo, le PDG du groupe Sonoco, qui est parti de rien, un simple vendeur de pain, qui a accepté de se formaliser. Et aujourd'hui, c'est l'un des plus grands industriels et hommes d'affaires de ce pays. Certes, il paye aujourd'hui beaucoup d'impôts, mais ce qu'il paye, c'est pratiquement incomparable à ce qu'il gagne. Et c'est ce qui lui a permis d'être accompagné et par les banques et tout dernièrement, même par la Banque mondiale. Donc, il faut accepter de se formaliser. Maintenant, par rapport à l'autre question que vous savez, après l'émission, il peut y avoir d'autres critiques, hein, parce que, hélas, Saliou Kénéko, il y a aussi le côté relation qu'il a toujours su avoir avec les dirigeants. Oui, il y a de ses compatriotes qui sont battus peut-être un peu comme lui, voire mieux que lui, mais qui n'ont pas eu les opportunités que hélas, Saliou a eues. Oui, M. Baldé, bon, au-delà de tout, il y a aussi le sens des affaires qui peut être personnel, est-ce que vous voyez? Voilà, qui peut faire la différence. Mais si vous comparez certains qui ont commencé au même niveau que Elhadj Saliou, qui n'ont pas accepté de se formaliser, qui sont aujourd'hui aussi milliardaires ou autres, mais leur business peut-être aurait dû être plus que et là, Sonoco, s'ils avaient accepté de se formaliser. Aujourd'hui, il y a beaucoup de grands commerçants ici qui font des importations, de grands chiffres d'affaires, mais puisqu'ils ne sont pas formalisés, ils ne sentent pas ce qu'ils perdent. Donc, il y a vraiment ce manque à gagner. Et voilà, je voulais dire aussi, par rapport à la plateforme e-tax, qui est une innovation, aujourd'hui, il n'y a pas de paiement cash d'impôt. Tout a été dématérialisé. Donc, c'est par virement que les gens paient. À Conakry comme à l'intérieur du pays. Et vous faites vos déclarations. Donc, ce qui fait que si vous adhérez à un CGA, les CGA ont... Vous parlez des impôts? Oui, au niveau des impôts. Est-ce que vous voyez? Puisque vous aviez tous posé cette question. Parce qu'à un moment donné, nous avons essayé une activité de simulation et on avait du mal à faire un bon suivi. C'est-à-dire que dans les communications, nous apprenons que tout est dématérialisé au niveau des impôts, mais dans le concret, vous venez vérifier, il y a souvent des petits soucis techniques. De là où nous sommes, on a du mal à nous connecter et à tout suivre. Contrairement à ce qu'on apprend souvent dans les médias. Non, fondamentalement, le système marche. Si pour des raisons de connexion ou de débit, il y a un petit retard, mais le système marche. Et tous ceux qui adhèrent au CGA, le centre se charge de vous créer vos accès sur la plateforme et aussi le paiement d'impôts. Même sur la plateforme e-tax, il est prévu, il y a un accès qui est réservé aux administrateurs des CGA pour faire toutes les déclarations. Et nous avons même un couloir dédié seulement aux CGA pour vraiment faciliter ce traitement. Et nous avons dit, si vous adhérez à un CGA, pendant 3 ans au moins, vous n'allez pas connaître de contrôle fiscal. On ne va pas vous emmerder parce que votre comptabilité est tenue par des professionnels. Et c'est un avantage aussi qu'il ne faut pas oublier. Depuis que nous avons mis ces CGA, par exemple au CGA de Matam, où on a 200 adhérents comme ça, ils ont beaucoup de comptables. Donc c'est une véritable source d'emploi pour les jeunes. Et la campagne que nous menons actuellement dans les différents marchés, vous voyez l'équipe qui est là, c'est une vingtaine de jeunes qui sont employés au moins pendant 40 jours, donc c'est d'autres bénéfices aussi que nous tirons de ces CGA. Ce que je voulais ajouter sur la plateforme e-tax, hein,
par rapport aux bugs informatiques ou aux dysfonctionnements qu'on pu être relevés. Je crois qu'il ne faut pas oublier que cette plateforme elle a été déployée en un temps record. Hein. Ça s'est fait en l'espace de quelques mois, alors que certains pays ont mis des années en fait hein, pour mettre ça sur pied. Donc je pense qu'il faut quand même prendre ça en compte laisser le temps à cette plateforme de prendre sa vitesse de croisière. Évidemment, il y a quelques dysfonctionnements, mais ça, je pense que ça sera. Il y a une vraie volonté de progresser. Et je pense que très rapidement, cette plateforme n'aura que peu de reproches à subir, en fait. Hein. Mais encore une fois, ça a été vraiment mis sur pied très, très rapidement. Ça, il faut vraiment le prendre en compte. Mais au-delà des taxes que les contribuables payent, est-ce que ce système permet aussi de sécuriser les fonds collectés, les recettes, parce que souvent nous entendons parler de détournement au niveau à la fois des impôts, de la douane, un peu partout. Oui, tout à fait. En fait, les fonds sont directement sur à la BCRG, en fait. Hein. Ça part directement sur le compte. Il n'y a pas de risque de détournement à ce niveau. Non, il n'y a pas de risque. Tout est tracé, il n'y a aucun risque. Voilà, et chaque fois qu'il y a le paiement, c'est instantané. Sur RTGS, ça va directement et le receveur spécial des impôts constate vraiment l'arrivée des fonds. Donc, il y a un droit de regard sur cette plateforme. Bon, c'est général ou bien c'est un cadre dédié? Bon, c'est non, pas du tout. Non, pas du tout. Non. Non, de temps en temps, je vérifie les progrès réalisés. C'est normal, hein, puisque nous, on finance une partie de ces développements. L'implantation des CGA, quelles sont les difficultés? Est-ce que, par exemple, il n'y a pas de réticence, par exemple, au niveau même des cas des impôts, à accueillir des réformes comme celle-là? Oui. Mais ceci-là, bon, comme nous sommes tous guinéens, nous savons qu'il y a eu des pratiques dans ce pays où des agents des impôts se sont permis de faire parfois du n'importe quoi. C'est ce qui a fait que la confiance entre l'administration fiscale et certains contribuables s'est complètement dérodée. Donc on a eu ce problème. À titre d'exemple, si vous êtes un contribuable, vous avez une imposition de payer 100 000 francs, on vous dit d'aller à un CGA, que vous recevez 50% de réduction, mais vous allez courir. Mais si de l'autre côté, on vous dit que vous allez payer 100 000 francs, mais vous avez la possibilité de voir un agent et lui donner 20 000, alors les CGA n'ont pas de sens. Mais c'est ce qui n'existe plus. Avec les télépaiements et les télédéclarations, les agents ne voient plus l'argent. Donc il y a cette confiance qui est là, qui fait que les gens viennent dans les CGA pour bénéficier non seulement des avantages fiscaux, mais d'autres avantages aussi, notamment l'accès au financement et aux informations, aux différents plans de trésorerie que les centres de gestion agréés font. Mais est-ce qu'il y a toujours cette possibilité d'aller aux impôts et payer cash à ce niveau? Non, tout a été dématérialisé. Vous prenez votre cash, vous partez aux impôts, vous ne trouverez pas d'interlocuteur. Cela veut dire que quelqu'un qui a besoin de renouveler aujourd'hui son IF est obligé de passer par les CGA? Par les CGA ou sur la plateforme Itax. Monsieur Henry, parlant du niveau d'implantation des CGA, est-ce que vous êtes satisfait en tant que partenaire de l'État guinéen dans ce processus? On est satisfait, mais même si on espère toujours plus, hein, bien sûr. Est-ce que vous espérez nous avoir En fait, l'objectif qu'on s'était fixé, c'était 5 CGA d'ici la fin de l'année. Je crois que cet objectif il sera atteint, ou on va peut-être déborder un petit peu sur janvier, mais je pense que cet objectif sera atteint. Je pense que dans les mois qui viennent, on va pouvoir ouvrir 3 CGA supplémentaires. Alassane le disait, on a une campagne active en ce moment pour faire adhérer des entreprises. Donc, il faut qu'on ait des CGA pour les accueillir, hein, bien sûr. Hein.
ne s'agit pas de constituer des listes et qu'on n'ait pas de CGA ensuite pour accueillir les adhérents, hein, puisque ça n'aurait pas de sens. Donc, déjà, un CGA par commune, hein, ça c'était l'objectif à la fin de l'année, donc 5 communes, 5 CGA. Sans doute un deuxième CGA à Matam, hein, puisqu'on a, le marché de Madina, hein, qui peut fournir beaucoup d'adhérents, où il y a beaucoup de besoins de formalisation. Peut-être un deuxième aussi sur Dixine, je crois, de mémoire. Et après, l'objectif, c'est de sortir de Conakry, d'aller à l'intérieur du pays, en fait. C'est vraiment ça, parce que la Guinée, c'est pas simplement Conakry, hein, évidemment. Koya et Dubreka, c'est voilà, c'est ça. L'idée, c'était d'aller sur... de commencer par Kindia, je crois, éventuellement. Mais ça, c'est pas encore du tout décidé. Mais ce qu'on souhaite, c'est vraiment de sortir de Conakry, de s'étendre à l'intérieur du pays. Déjà, on avait besoin de consolider nos positions là sur Conakry avant de pouvoir sortir du pays. Je pense que c'est chose faite. Moi, je constate vraiment un décollage, hein, des CGA là, depuis quelques mois. C'est vrai qu'on a quand même eu des difficultés au départ, hein, puisqu'on a ouvert le premier CGA en 2018. Hein, ça commence à dater un petit peu. Le deuxième en 2019. Et là, on connaît vraiment une accélération importante, hein, des CGA. Est-ce que le coup d'État du 5 septembre a impacté vos prévisions? Est-ce que ça a joué contre l'implantation de ces CGR? Non, je ne crois pas, parce qu'on a, en fait, en ce qui concerne le projet PACAF, hein, on a repris nos activités très vite. Hein. Dès le mois de novembre, on a repris nos activités. D'ailleurs, on a lancé ces stands. On a aussi j'en ai pas parlé, mais on mène aussi des activités. On n'intervient pas simplement uniquement au niveau des CGR, hein. On intervient aussi au niveau de la Direction Générale des Impôts pour former ces cadres. Je rappelle que depuis 2019 on a une nouvelle organisation, la Direction Générale des Impôts, à travers un nouveau cadre organique, hein, qui résulte d'un arrêté de février 2019. Au terme de cet article, en fait, de cet arrêté, la DG a été réorganisée. Concrètement, ce qu'on a fait, c'est qu'on a créé des services centraux, en fait, des services de direction, avec en dessous des services de pilotage. En 2020, nous avons réalisé un bilan de compétences, hein, pour près de 200 cadres des agents de la Direction Générale des Impôts. Alors ça, c'est vraiment une petite révolution, hein, ici, hein. Je pense, parce que la DGI, je pense que c'est une des premières administrations guinéennes à bénéficier d'un bilan de compétences. Hein. Ça, je pense que ça, il faut le souligner. Ensuite, en 2021, le ministre de budget a pris des nominations en s'appuyant sur ce bilan de compétences. Bilan de compétences, donc, en fait, qui met en évidence les compétences des agents qui ont été auditionnés. Donc, nomination pour meubler ce nouveau cadre organique. Donc, on intervient aussi au niveau de l'organisation de la DGI pour la rendre plus performante. Ça, c'est vraiment tout à fait important. Est-ce que toutes ces réformes-là ont permis de rendre cette direction plus apte à mobiliser des fonds? Est-ce qu'on peut avoir une idée sur la progression des recettes ces dernières années? Donc moi, j'ai un exemple sur les moyennes entreprises, hein, puisqu'on s'est quand même pas mal focalisé sur les moyennes entreprises à travers notamment les centres de gestion agréés, mais pas que, hein, puisqu'on a travaillé aussi, je vous le disais tout à l'heure, sur la géolocalisation. Parce qu'une fois qu'une entreprise est géolocalisée, elle est plus facile évidemment à fidéliser, en fait, hein, à lui faire payer des impôts. Donc le nombre d'entreprises fidélisées gérées par le service des moyennes entreprises, il est passé de 800 environ en 2018 à environ 2500 aujourd'hui. Donc là, on a vraiment une progression importante au niveau de l'assiette fiscale. Le montant des recettes, hein, puisque c'était le sens de votre question, entre 2019 et 2020, bon, l'année 2021 n'est pas encore terminée, donc on n'a pas encore fait les comptes, ces recettes ont progressé de 25% hein, au niveau des mêmes entreprises. Et ce, malgré la pandémie et malgré les mesures d'exonération fiscale, de dispense fiscale prises par les autorités dans le cadre du plan de riposte. Alors, ensuite, sur les recettes proprement dites de la DGI, je rappelle qu'il y a un contrat de performance, en fait, hein, qui a été signé
entre la DGI et les douanes également, avec le ministère du budget. Donc il y a des engagements réciproques en fait qui ont été pris. Le ministère du budget s'engage à fournir des moyens aux deux régies, et en contrepartie, la DGI, puisqu'on parle de la DGI, doit atteindre un certain nombre d'objectifs. Il y a un objectif de recettes qui est un objectif de doublement des recettes entre 2020 et 2022. L'objectif, c'est de doubler des recettes. Et je crois savoir que, moi, je pense que la DGI est bien engagée, en fait, hein, pour atteindre cet objectif. Donc, doublement des recettes, pas sur un an, hein, sur deux ans. Donc, j'ai pas de chiffres à vous citer, en fait, hein, sur le... C'est pas forcément quelque chose que je suis au quotidien. Moi, ce qui m'intéresse, c'est d'élargir l'assiette fiscale, d'augmenter le nombre d'entreprises qui rentrent dans l'enclos fiscal, le nombre d'adhérents des CGA. De toute façon, les recettes, elles viendront, hein, tôt ou tard. Puisque, bon, c'est vrai qu'au départ, sur les CGA... on a un système d'exonération, donc effectivement les recettes ne décollent pas forcément tout de suite, mais nous, ce qui nous intéresse à la Seine et moi, c'est de préparer l'avenir, en fait. Hein. On regarde vers l'avenir, on ne raisonne pas à court terme. Et je voudrais ajouter aussi, par rapport à la création des CGA, parce qu'il y a une question de territorialité. C'est-à-dire que si vous êtes dans la commune de Ratoma, vous adhérez dans le CGA de Ratoma. Si vous êtes à Matam, vous adhérez au CGA de Matam. Donc, ce qui a motivé le secrétariat permanent des CGA à suivre cette implantation, d'avoir au moins dans chaque commune. Bon, pour le moment, puisqu'on n'a pas créé encore à Kaloum, donc ceux de Kaloum sont libres d'adhérer au CGA de Dixine ou de Matam le plus proche. Et de l'autre côté aussi, en début d'année, nous prévoyons d'aller à l'intérieur du pays. Nous allons viser les inspections régionales des impôts, en tout cas les capitales régionales, pour essayer d'implanter ces CGA en synergie avec notamment la PIP. Je voudrais juste préciser aux téléspectateurs qui nous suivent et qui posent des questions en direct, c'est quoi ces CGA? Ce sont des centres agréés, centres de gestion agréés, qui accompagne la formalisation des entrepreneurs de quitter le secteur informel vers un secteur formel. Est-ce que vous avez un message clair, un peu bref, pour permettre à ceux qui n'ont jamais entendu parler de ça, de savoir ce que c'est, à l'adresse de Idrissa Sampirin Diallo et à tous ceux qui nous suivent du côté de l'abbé et qui veulent savoir de quoi on parle concrètement? Oui, concrètement, les CGA, c'est la passerelle entre l'informel et le formel. On a déjà parlé des avantages du point de vue fiscalité que vous gagnez. Non, j'ai dit pour quelqu'un qui n'en a jamais entendu parler, qu'est-ce que vous faites pour aider? Bon, avec l'ouverture des centres, si aujourd'hui, quelqu'un qui n'a jamais entendu parler, il suit cette émission, nous avons nos contacts, certainement que nous allons vous laisser. Il y a un site, cgaguinée.org. Il y a aussi le numéro de téléphone du secrétaire permanent et des autres centres, où vraiment vous pouvez appeler ou envoyer des emails. Nous allons vous donner en détail tout ce qui concerne les CGA. Mais pour l'instant, on peut retenir que vous aidez tous ceux qui sont dans le secteur informel à migrer vers le secteur formel. Oui, avec des incitations fiscales et non fiscales. Moi, je pense que le mot important, c'est le mot accompagnement, en fait. C'est ça qui est important. Il ne s'agit pas simplement de dire aux entreprises, vous allez vous formaliser. Parce qu'une fois qu'on a dit ça, en fait, on n'a pas fait grand-chose. En fait, ces entreprises-là, à qui on va demander de déposer des déclarations fiscales, du jour au lendemain, ils vont se retrouver face à beaucoup d'obligations. En réalité, elles ont besoin d'être accompagnées. C'est vraiment le CGA qui est une structure d'accompagnement qui va pouvoir les aider dans un premier temps à faire face à ces obligations. Et puis, très vite, avec le temps, ils vont s'apercevoir que cette formalisation, Alassane le disait, va leur permettre de grandir, en fait. C'est ça, hein. C'est vraiment
L'idée, c'est vraiment de regarder vers l'avenir, en fait, hein, de pouvoir grandir. Je pense que le pays a vraiment besoin de champions économiques. Hein, et on citait l'exemple de Sonoco. Demain, on aura peut-être des entreprises guinéennes qui vont se formaliser, des commerçants qui ont un talent particulier, hein, qui sont particulièrement doués pour les affaires. Le fait de se formaliser, ça leur permettra peut-être un jour eh bien, d'arriver même à sortir de la Guinée, hein, de devenir des, pourquoi pas des multinationales. Hein. C'est ça l'objectif, hein, à terme. Hein. Oui. On n'a malheureusement pas assez de temps et les téléspectateurs sont sur WhatsApp et sur la page Facebook. Il y a par exemple Mamadou Diul de Coyne depuis Paris qui demande quel a été l'impact du Covid-19 sur les structures membres des CGR. Bon, en termes d'impact, c'est vrai, il y a eu ralentissement de l'activité économique et le nombre d'adhésions pendant cette période n'a pas connu ce que nous voudrions. Mais aujourd'hui, il y a ce regain de confiance et les gens reviennent. Donc, c'est pour cela que nous nous précipitons vraiment pour l'ouverture de ces centres. Parce que selon la loi, un centre ne peut pas recevoir plus de 200 adhérents. C'est un problème de comptabilité. Parce que pour... Et qu'est-ce qui retarde l'ouverture de ces centres? Pratiquement, il y a la participation de l'expert comptable. Ce sont des cabinets d'expertise comptable. Et qui doit le faire? C'est l'État, c'est le gouvernement qui n'a pas fait ce qu'il devait ou qu'est-ce qui se passe? Non, bon, il y a une volonté de motiver les experts comptables à ouvrir les CGA. Parce qu'on ne peut pas ouvrir un CGA sans la participation d'un expert comptable. Et si les experts comptables ne sont pas assez motivés pour accompagner le projet, ça fait un retard. Mais nous avons eu beaucoup de rencontres avec l'ordre des experts comptables et maintenant ils sont revenus. C'est pour cela que nous avons en perspective l'ouverture de ces autres CGA avec d'autres experts comptables. Et qu'un expert comptable ne peut pas suivre plus d'un CGA. Vous voyez, en matière de comptabilité, c'est du boulot. Si vous avez 200 adhérents à suivre chaque mois, avec toutes les déclarations mensuelles uniques, c'est vraiment du boulot. Oui. On veut vraiment s'assurer que les CGA fournissent une prestation de qualité, en fait. C'est ça. Les adhérents, ils ont droit à être traités avec beaucoup de sérieux. Donc, il nous faut de la qualité. Trop de dossiers dans un cabinet comptable ou dans un CGA, on sait très bien que les dossiers ne seront peut-être pas gérés aussi bien que si y avait un petit peu moins d'adhérents. C'est pour ça que le nombre est limité en fait. S'il y avait des recommandations à faire à l'adresse de l'administration fiscale, qu'est-ce que vous recommanderiez pour que la DGI se porte encore mieux? Je crois que la recommandation, c'est de continuer en fait hein, dans les réformes qui ont été engagées. Je parlais du cadre organique de la Direction générale des impôts. Donc ce cadre organique, il a été créé. On a commencé à le meubler. Hein, parce qu'il y a eu le bilan de compétences, il y a eu les nominations. Tout ça va prendre du temps. Hein. C'est vraiment un changement de culture complet. Donc on a encore besoin, c'est ce que nous faisons, hein, d'accompagner l'opérationnalisation de ce cadre organique. On propose des formations au cadre, formation au pilotage d'activité, formation à l'audit, au contrôle interne, formation au management. Donc tout ça, on est en train de le déployer. L'idée, c'est vraiment d'avoir une DGI qui soit organisée de manière moderne pour être plus efficace. Monsieur Diallo, qu'est-ce qu'on attend aujourd'hui du gouvernement pour finaliser l'installation de cette CGR? Bon. Au-delà des experts comptables? Au-delà des experts comptables, il y a la volonté politique qui est là. Vous avez vu, lors du lancement de la campagne, nous étions même avec le ministre du Commerce, de l'Industrie et des PME, ce qui est une première. Donc, ces ministères concernés veulent vraiment aller de l'avant pour accroître le poids du secteur privé dans l'évaluation du PIB à travers des statistiques fiables. Donc ça c'est une priorité et
la volonté politique est là. La volonté politique est là. Donc, il y a un accompagnement aussi, certes, sur lequel nous travaillons. Non seulement accompagner les créateurs des CGA, mais aussi les adhérents au CGA. Pour le moment, beaucoup d'efforts ont été fournis pour les adhérents par rapport aux créateurs. Donc, les créateurs aussi ont vraiment besoin d'accompagnement parce que ça y va dans l'accroissement, dans l'élargissement de l'assiette fiscale. Par exemple, les experts comptables, là, qu'est-ce qu'ils y gagnent? Bon, ils y gagnent beaucoup parce que l'adhésion à un CGA est conditionnée par le paiement d'une cotisation. Donc, selon le chiffre d'affaires, vous payez une cotisation. Et si vous êtes dans la fourchette maximale, votre chiffre d'affaires, c'est-à-dire de 1 milliard à 1 milliard 500, vous allez payer 500 000 par mois, quelque chose d'environ 6 millions par an. C'est grâce à l'intervention de l'État, parce que c'est minime quand même de payer un expert comptable par an, juste 6 millions, pour toutes vos déclarations et tous vos états financiers qui sont visés. Donc, les experts comptables aussi, ils gagnent. Mais quand on a misé surtout sur le nombre, parce que si vous avez 100 à 200 adhérents qui payent 500 000 par mois, ça c'est beaucoup. C'est pour ça que nous encourageons les CGA qui sont déjà ouverts à aller vers les contribuables pour avoir le maximum d'adhérents afin de couvrir leurs charges fixes et autres. Henri Nicolique, on est vers la fin, peut-être comme dernier mot. Est-ce que vous pensez que la campagne est suffisante? Est-ce que vous sentez que les Guinéens sont suffisamment informés du rôle des CGA? En tout cas, on fait le maximum pour. Hein. La preuve, on est là aujourd'hui en face des auditeurs, enfin des spectateurs. Moi je le disais tout à l'heure, hein, je pense que vraiment je sens un engouement nouveau pour les CGA. Les premières années ont été difficiles, hein, entre 2018, 2019, 2020. C'est vrai qu'on a eu la pandémie, hein, qui nous a vraiment beaucoup retardé. C'était vraiment compliqué. Et là, la campagne actuelle, c'est vraiment un grand succès. On s'était fixé un objectif de 1000 adhérents potentiels, hein, quand on a rédigé les termes de référence pour l'opération. Et aujourd'hui, au bout de 10 jours, ou 2 semaines quasiment, on a déjà atteint l'objectif. Donc on va certainement doubler l'objectif. Alors, sur ces 1000 adhérents potentiels, tous ne vont pas adhérer, hein, évidemment. Mais il faudra que les CGA vont se faire envoyer les listes, ils devront les exploiter. Peut-être que sur 2000, on en aura 600, 700, 800, mais c'est déjà énorme, puisque on triplerait les effectifs en l'espace de 2 ou 3 mois. Ça serait vraiment une belle performance. Un dernier mot à ajouter? Vous avez un dernier mot à ajouter? C'est en particulier adressé à nos téléspectateurs. Non, pas spécialement. Je vous remercie de m'avoir invité, d'avoir pu présenter le projet PACAF et puis surtout d'avoir pu présenter le dispositif des centres de gestion agréés. On compte vraiment beaucoup sur ce dispositif pour réduire le secteur informel et aider les entreprises à se tourner vers l'avenir et à se développer. Merci. Monsieur Diallo, un dernier mot? Oui, merci Monsieur Baldé, merci Monsieur Silla pour cette opportunité que vraiment vous nous donnez pour toucher au maximum nos compatriotes. Il y a une campagne qui est en cours. J'inviterai tout le monde vraiment à aller vers ces stands dans les différents marchés pour prendre le maximum d'informations. C'est vrai qu'avant ça, il y a eu d'autres campagnes. Nous avons des spots publicitaires qui sont passés dans les radios et dans différentes télés ici. Et aussi les panneaux publicitaires que nous avons installés dans pratiquement toute la capitale. Et c'est des efforts qu'il faut vraiment sur lesquels il faut capitaliser. Que ce soit les contribuables en Guinée ici, je sais que je suis issu de la diaspora, il y a beaucoup qui sont aujourd'hui à l'étranger,
qui voudraient venir, qui ont des petites et moyennes entreprises. Je pense que c'est une opportunité pour vous. J'ai déjà des cas, qui soient en Europe ou aux États-Unis, qui ont adhéré au centre de gestion agréé ici, parce qu'ils ont créé leur entreprise ici. Ils ne sont pas là, mais la tenue de la comptabilité et tout, ils n'ont pas à se soucier de ça ou bien à recruter des comptables pour ce suivi. Donc, je ne peux pas aussi terminer sans remercier vraiment l'Union européenne, la République française et l'Expertise France, et en particulier le chef du PACAF qui est à côté de moi, Harry Nikolic, pour tous les efforts qu'il consentit vraiment pour les CGA. Et de l'autre côté, comme je vous l'ai dit, l'arrivée du ministre du budget, M. Moussa Cissé, c'est sa première action pratiquement au niveau du département. C'est le lancement de ces centres à Madina. Donc, sa proximité avec la population a donné encore vraiment une certaine confiance entre l'administration et les administrés. Donc, vraiment, nous le remercions, et ainsi que le Premier ministre et mon colonel Mamadi Doumbouya, président du CNRD, chef suprême des armées et chef de l'État, pour vraiment cette confiance renouvelée avec le peuple. On sent que vous êtes rassuré, et évidemment, les Guinéens sont toujours enthousiastes depuis le 5 septembre, après ce changement de régime. Merci Bachir Silla. Merci. Merci à l'équipe technique. Je rappelle que ce numéro de la grande interview a été coordonné par Abdoulaye Oumousso, réalisé par Ousmane Bakayoko, Amadou Baylo Savané et Moussa Pelé Camara. Merci et à très bientôt.